Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui sur Blender 2.8, nous allons voir ce qu'on appelle le hotliner. Alors on l'utilise depuis un petit moment, hein, on s'amuse à voir ce qu'il y a dedans. Mais là ce qu'on va faire, c'est qu'on va un peu décrypter tout ce qu'il y a dedans et surtout comment celui-ci fonctionne. Alors attention, il va falloir que euh, vous ayez une bonne connaissance au niveau des collections et, et d'autres euh, vidéos que je vous ferai part tout à l'heure. Donc sans plus attendre, regardons cela ensemble. Ok, donc nous voici sur Blender, comme d'habitude sur la version 2.80.75, la dernière, en l'occurrence la stable. Euh, donc là, cette fois-ci, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas vous mettre les raccourcis clavier parce que si vous voulez, je vais bien zoomer sur la partie hotliner pour bien vous montrer ce qu'il en est. Là, je vais faire exprès de l'agrandir un peu. Voilà, c'est bien voir ce qu'il en est. Qu'est-ce que c'est que le hotliner En bah, fin de compte, le hotliner, si on regarde un petit peu, c'est quoi C'est celui qui va comprendre euh, tout ce qu'il y a dedans. S Il y a les caméras, les lumières, les objets, ce qu'on appelle les mèches. Ça va être les petits, ça va être. Euh... Enfin, vous voyez, si je fais Shift A, on aura différentes choses. On aura les curves, les surfaces, les textes. Fin... Tout ce qui compose en fin compte votre scène. Votre scène, c'est tout simplement ce qui englobe. Vous voyez, c'est tout ça. C'est là où vous, vous trouvez. Alors, on entendra plusieurs termes. On entendra un layer. Un layer, si vous voulez, c'est l'ensemble des éléments qui comporte. Euh, on va dire, c'est un peu, c'est un peu votre viewport, on va dire, avec les différents éléments dedans. On parlera aussi le mot scène. Alors, le mot scène, si vous voulez, ça va être plutôt euh, l'ensemble des éléments qui vont être euh, avec le world, enfin, avec différentes choses. Nous allons voir ça de suite. Donc ici si on regarde, comme d'habitude, hein, j'ai mis exprès un cube, le fameux cube standard. Ici donc on a une collection. C'est pour ça que je vous disais qu'au niveau des collections, je vous conseille de regarder, là je vous mets la petite vignette, je vous conseille de regarder vivement la, numéro 28, la vidéo numéro 28 qui vous explique ce que c'est qu'une collection, pour bien vous compreniez ça. Ensuite il y a une autre vidéo aussi que je vous conseille de regarder avant d'attaquer mes leçons, c'est la numéro 26, qui vous explique en fin de compte le « high show », c'est en fin de compte qu'est-ce qui se passe quand je cache, vous voyez si j'appuie sur « H », mon élément ici se cache, et si j'appuie sur Alt H, il est... Euh, enfin, on va dire qu'il est soit affiché, soit caché, tout simplement. Mais j'explique d'autres subtilités, donc ça peut être intéressant pour bien comprendre cette vidéo. Donc ici, vous avez, donc, je vous disais, la scène collection. La scène collection, vous voyez, dedans on a une collection. Donc là, comme je disais, il faut bien comprendre ce que c'est qu'une collection. Et dans cette collection, vous avez la caméra, le cube et la lumière. D'accord Si je clique ici, vous aurez, vous voyez, on va, on va retomber... Voilà, directement ici. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout au niveau du cube. Vous voyez ici, là, j'ai le cube. Mais si je clique ici, je me retrouve en mode édition. Donc en fin de compte, vous allez pouvoir, dans Outliner, filtrer tout ça. C'est-à-dire, est-ce que, est -ce que vous voulez que l'édition apparaisse à chaque fois Il n'y a pas que ça. Hein. Regardez, si par exemple, j'ajoute un modifieur à celui-ci, alors il faut que je mette évidemment en mode objet. Si je fais le subdivision surface, dans mon cube, qu'est-ce que je vais avoir Je vais avoir, vous voyez, la clé, le modifier, et ici, il est en mode aussi édition. D'accord vous avez même un matériau aussi qui va être placé automatiquement. Si je vais ici, voilà, il a été créé automatiquement. Vous voyez, ça vous montre qu'il y a ici un matériau, un modifieur. Et si je clique ici, je suis en mode édition. OK Donc là, je vais faire en sorte de supprimer cet élément pour ne pas trop vous perturber. Lui, on va le mettre comme ça. Lui, on va le virer aussi. Voilà. Alors vous avez vu que quand je fais bouton droit à ma souris, je vais avoir différents... Chose, je vais pouvoir délier un. Je vais pouvoir délier, je vais pouvoir faire un mec local. Alors, un mec local, c'est tout simplement, vous savez, c'est pour ça que je vous disais de bien regarder la vidéo numéro 26. C'est simplement que votre objet va se retrouver en local. Je vous explique. Si ici je fais un autre cube, je vais le bouger par là, je clique ici et j'appuie sur slash. Et en fin de compte, celui-ci se retrouve en local. Vous pouvez le voir ici, c'est marqué User Perspective Local. Vous voyez Bon, c'était juste une petite aparté. Donc là, je reviens en mode normal. C'est simplement, simplement, si vous voulez, ça permet en plus des collections de pouvoir filtrer ce que vous allez faire. Mais ce qui est vraiment génial, vous allez voir que le hotliner peut vraiment filtrer encore plus. Bon. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va un petit peu regarder euh, ici. Comme je vous disais, ici, on a une scène. Alors la scène, en fait, compte, c'est ce que je vous expliquais. Dedans, vous aurez les fameux layers, vous aurez le monde, votre collection et vos objets. En gros, si vous voulez, la scène va vraiment répertorier tout ce que vous avez au niveau de votre scène. C'est-à-dire l'ensemble de, on va dire, comme une vue. C'est un peu compliqué à comprendre, je peux le concevoir, mais bon. En général, on reste toujours en view layer. Comme ça, au moins vous avez la scène collection, c'est-à-dire l'ensemble avec, voyez, la caméra, la lumière et le cube. Si je continue ici, vous avez les séquences. Les séquences, en fait de compte, quand vous faites des animations, vous allez pouvoir assembler plusieurs séquences. Et là, ça peut être très intéressant de faire euh, un mouvement, on va dire une, une suite comme un dessin animé, choses comme ça. Mais bon, là, on verra ça bien plus tard. Blender, blender file. Je ne dis pas de bêtises, vous voyez, Blender File. Blender File, par contre, ça va vous donner plein d'informations très croustillantes. C'est-à-dire que là, vous voyez, on va voir le type de brosse utilisée, les collections, les images, s'il y en a. Enfin, il y a vraiment. Euh, ce sont des. Comment pourrait-on dire Ce sont des options vraiment réservées aux professionnels. Mais des fois, ça peut nous être utile. Vous allez voir tout à l'heure. Si j'appuie ici sur maintenant Data API, Data API, c'est à peu près pareil, mais on va dire. Euh, euh, défini différemment. Mais bon, regardez, euh, faites-vous plaisir. Mais. Je m'en servirai rarement. Ce que je vais me servir par contre, c'est celui-ci, c'est le Orphan Data. Le Orphan Data, pour ceux qui doivent se souvenir de la vidéo sur les matériaux, là je vous montre la petite vignette. Euh, J'expliquais en fin de compte que des fois on peut avoir des matériaux qui ont été euh, créés mais sans être affectés. Regardez, je vais vous montrer. Je vais prendre ici mon cube. Je vais faire new, d'accord. Et je vais faire plus plusieurs fois. New, new. D'accord? Donc j'ai plusieurs matériaux. On va mettre une couleur différente, hein, si vous voulez. On va mettre un vert ici. Ici, on va mettre un rouge. Et ainsi de suite. Là, si on prend ici, par exemple, on va mettre un bleu. Hop, pardon, je mets un bleu. Si je fais ici, je me mets en mode look Dev, par exemple. On a bien le bleu. Par contre, ici... Il ne se passe rien, normal, parce que rappelez-vous que, comme je vous expliquais au niveau des matériaux, vous avez une affectation au niveau de votre couleur primaire et après ce sont des couleurs secondaires qui pourront être plutôt assignées. C'est ça que je vous dis. Pensez bien à regarder la vidéo numéro, je ne sais plus combien, je vais vous le marquer en sous-titre, je ne sais plus en tête, mais en tout cas, il y a une vidéo qui est importante qui vous permet bien comprendre ça. Ce que je vous expliquer c'est quoi C'est ici. Si je vais dans les orphan data, en fin de compte, vous allez avoir plein de trucs intéressants. Alors ici, je m'aperçois que donc là, lorsqu'on va dans Orphan Data, pour l'instant, vous ne voyez rien. À part, vous disent 13 broches, mais bon, pour l'instant, ce n'est pas très utile. Si par contre, vous supprimez un matériau, vous pensez le supprimer. Vous faites ça, vous voyez. On va prendre celui-ci aussi, on va le supprimer. Qu'est-ce qui va se passer bah, En fin fait, de compte, si on regarde ici au niveau de la petite liste, vos matériaux sont toujours là. Et ça, je vous avoue que c'est très pénible parce que quand vous commencez à faire des, des structures ou des scènes assez complexes, vous avez plein de matériaux, plein de textures, plein de, de shaders et ainsi de suite. Tout ça, je vous expliquerai ça, vous inquiétez pas. Ce qui est sûr, c'est que. Ben, vous voudriez avoir quelque chose de bien propre, surtout si vous le donnez à un client, bien évidemment. Et ici, vous voyez, c'est marqué matériaux. Et là, il vous dit le 1 et le 3 n'est pas utilisé. Qu'est-ce que vous faites ben, Vous cliquez simplement sur purge et automatiquement, en cliquant ici, vos éléments vont disparaître, ainsi qu'ici. Vous voyez Ça, c'est vraiment intéressant. Mais je vous dis, je vous l'explique dans la vidéo sur le matériel. Maintenant, on va prendre une scène un peu plus complexe pour vous montrer les différents éléments qui sont très intéressants. Donc là, j'ai repris tout simplement la scène l'on avait fait ensemble, je sais plus en quelle vidéo. Je crois que c'était au niveau de l'Inset ou l'Extrude, je sais plus. J'ai vraiment plus en tête. Hein. Mais c'était quelque chose que normalement, si vous suivez mes vidéos, vous êtes sans problème capable de faire. Hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ce que je veux vous montrer, c'est qu'en fin de compte, vous voyez, on a différentes collections. J'ai fait exprès de associer mes différentes collections. Si je clique ici, ça va tout simplement décocher. Vous voyez ça, c'est vraiment génial. C'est par rapport à ceux qui ont connu la version 219, enfin 27, on va dire 27x, que je dis souvent. Ce qui est vraiment génial, c'est que là, vous allez pouvoir vraiment euh, filtrer vos éléments. Alors, ici, vous voyez, j'ai fait exprès de mettre tout ça pour pouvoir montrer ce qu'il en est. Normalement, quand ici on clique, vous devez avoir, vous, que l'œil. On va décrypter tout ça. Alors, si on prend par exemple le bureau, vous voyez, quand je, coche, quand je clique ici, pardon, alors je vais bien me mettre ici pour aussi bien voir. Voilà. Donc, quand je clique ici, mon bureau disparaît. OK Si je clique ici, en fin de compte, et que je clique sur mon bureau, vous ne pouvez plus rien faire. Vous voyez en fin fait, de compte, ça permet de verrouiller votre élément. Imaginons que vous avez une scène super intéressante, vous avez tout fait. Donc euh, votre bloc principal, on va dire, vous ne voulez plus toucher, il est parfait, il est au bon endroit, à la bonne taille, tout ce qui va bien. Ben, vous cliquez ici et automatiquement celui-ci ne pourra plus être touché. Donc là, je le décoche. Donc vous avez plusieurs solutions pour cacher en fin de compte un élément. Soit vous cliquez ici sur l'œil, vous voyez, soit vous cliquez sur H. Donc je sélectionne mon élément, j'appuie sur H. D'accord Et là je fais Alt H. Pour le remettre. Donc vous avez bien compris que cet oeil en fait compte va permettre de tout simplement cacher un élément au niveau de votre viewport. Celui-ci est très intéressant parce que celui-ci, si vous voulez, va cacher euh, un élément, mais ici, il ne va pas le cacher en fait Il va carrément le désactiver du viewport. C'est-à-dire que même si vous faites Alt-H, il ne reviendra pas. Voyez Donc ça c'est vraiment intéressant. Des fois si vous voulez vraiment vous concentrer sur un objet précis, en, faisant, euh, en cliquant sur cette icône impeccable, vous pouvez retrouver vos éléments. Donc là je vais faire en sorte de le décocher. Et le dernier, il fait compte. Enfin, le dernier, il y en a encore deux autres, mais ceux-là, ils sont un peu plus complexes. Le dernier, en fin de compte, c'est le rendu. Vous voyez, c'est marqué Désactiver globalement dans les rendus. C'est-à-dire que si je clique ici et que je fais un rendu, alors là, ouais, évidemment, bon, c'est pas grave, ça a été assez vite. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recommencer, je vais placer ma caméra différemment pour avoir quelque chose de plus intéressant. Alors, hop. Comme ça, là, je sur N pour pouvoir aller ici dans, euh, non pas Edit, pardon, View. Je vais faire en sorte de locker ma caméra pour pouvoir la tourner, vous voyez, grâce à ma souris. Ça, vous allez mieux voir. Voilà, parfait. Et si je refais Render, Render Image, voilà, vous voyez, mon bureau n'apparaît pas. Donc là, je fais en sorte de quitter ça. Je clique ici et je recommence. Et là, vous allez voir que mon bureau maintenant apparaît. Donc, les deux autres options, ces deux autres options, en fin de compte, je ne les utilise pas. Euh, donc, euh, pour l'instant, je ne en... vais pas vous dire grand chose dessus. Ce qui est sûr, c'est que j'ai sont nouvelles sur Blender 2.8. Euh, je ne vous dis pas qu'elles sont utiles, hein, loin de là. Hein. Mais elles sont sûrement définies euh, pour quelque chose de bien précis. Vous voyez, c'est marqué Masquer les objets de la collection dans le calque de vue. Donc, si je clique ici, bon, euh, je suis dans la collection. On va le faire par exemple sur la chaise. Qu'est-ce qui se passe je sais pas, là franchement je ne me suis pas encore bien penché dessus. Euh, bah, comme je dis toi, hein, je suis juste un passionné, j'essaie de vous expliquer les choses. Je ne vous expliquerai pas tout, bien évidemment. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à connaître sur Blender, croyez-moi, c'est juste énorme. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va regarder un petit peu ici. Là, vous avez en fin de compte un filtre. Et ce filtre est vraiment très intéressant. Si je clique ici, en fin de compte, vous voyez, d'un seul coup, ce qui permettait de désactiver un élément, rappelez-vous, si je cliquais ici sur bureau, mon bureau disparaissait. Puisqu'en fin de compte, c'est une collection, une collection qui comporte différents mèches. Donc ce filtre va permettre tout simplement de décocher ça. Celui-ci va permettre de, tout simplement d'enlever l'élément, euh, comme je disais, pour faire en sorte que votre élément soit sectionnable ou pas. C'est-à-dire qu'en gros, il est impossible à, à, à transformer, à modifier, à bouger et ainsi de suite. Celui-ci va permettre d'enlever tout simplement le viewport. C'est-à-dire que si par hasard vous ne voulez plus du tout qu'on qu clique au niveau du viewport pour euh, désactiver ou pas une collection ou un objet. Celui-ci sera, comme je disais, ça va désactiver dans le viewport, mais en plus, en prenant en compte euh, l'histoire du cachet montré. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que si par hasard vous avez fait, vous cliquez ici, donc là, cette icône n'apparaîtra plus. Regardez, au fur et à mesure, vous voyez, ça disparaît. Mais surtout, c'est que euh, vous ne pourrez pas l'utiliser. Par exemple, vous pourrez donc cacher des choses avec Alt-H ou H, mais celui-là est vraiment intéressant parce que vous pouvez des fois avoir quelque chose de spécifique, vouloir le cacher. Mais en plus caché à une collection ou à un élément. Bon, je ne sais pas si vous me comprenez, mais voilà ce que ça veut dire. Celui-ci, bah, c'est le rendu. Et celui-ci, vous voyez, comme je vous disais, c'est. Alors, ils appellent ça l'obstacle principal. En, en gros, si je résume ces deux icônes que je vous parlais tout à l'heure, c'est un va concerner apparemment une histoire d'obstacle principal. Peut-être que c'est en première vue. Et l'autre, c'est par rapport à l'influence des ombres et des lumières. Bon, je ne vous en dirai pas plus parce que, habituellement, moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre. Alors, celui-ci, celui-ci, celui-ci. Bah, ces quatre-là. Ouais, vous n'êtes pas obligé, bien évidemment, mais moi j'aime bien avoir ces quatre là, ça paraît intéressant et surtout vous pourrez comme ça bien voir ce qu'il en est. Si on continue un petit peu, ici on a quoi On a search. Alors avant, vous voyez, c'est marqué sort alphabetically. Oula, pardon, ici c'est marqué sort alphabetically. Bon, c'est pas très bien dit, mais en gros, ça veut dire trier par ordre alphabétique. Ici, vous allez pouvoir faire une recherche avec la définition exacte, c'est-à-dire le mot exact. Faites vraiment attention à ça parce que si vous cliquez ici. Et mettons si je cherche ici meuble, vous voyez je vais taper meuble, là il va me le trouver, d'accord? Mais si ici je tape meuble sans le fameux M, ah oui, il va le trouver parce que, autant pour moi, je n'ai pas coché ici ce qu'on appelle la case sensitive. La case sensitive, ça veut dire qu'il va prendre en compte la case, c'est-à-dire les majuscules et les minuscules. Voilà ce que ça veut dire. Donc en gros, faites vraiment attention à ça. Ici vous allez pouvoir filtrer les collections. C'est-à-dire que là, soit vous voulez par collection, dans ces cas-là... Vous n'aurez plus de collection du tout, mais vous aurez tous vos mèches. Alors, regardez, c'est juste énormissime. Ça fait beaucoup trop de choses. Donc c'est pas intéressant. En cliquant ici sur Objet, là on va tout simplement voir que la collection. Mes objets qui sont dedans disparaissent. Ici, vous avez Objet Content. En fin de compte, ça va montrer ce qu'il y a à l'intérieur des éléments. D'accord C'est-à-dire que si je fais ça, je clique ici, on ne voit plus rien. Par contre, si je reclique ici, on voit maintenant les fameux, rappelez-vous, éditions. Si je vais ici, vous voyez j'ai mon élément qui est, qui est éditable. Ça veut tout simplement dire ça. Si je continue, ici, vous avez objet children. Alors cela est très intéressant. Alors c'est simplement la relation parent-enfant. Qu'est-ce que ça veut dire bah, Je vais vous montrer. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va créer un deuxième cube. Alors pour ceux qui se posent la question comment j'ai fait pour déplacer mon curseur, je tout simplement fais Shift et bouton droit de ma souris. Là, je fais Shift A, je mets un cube. Évidemment, je vais faire beaucoup plus petit. Voilà. Ici, je vais me mettre en 1 en mode orthogonal, GZ, on va se mettre comme ça. Shift D et on va faire Y. Et on va le faire plus petit. Ce qui m'intéresse, c'est que mon enfant, on va dire c'est celui-ci, soit lié à mon parent. En fin fait, de compte, ça marche comme ça. Alors je prends en premier celui-ci, après je clique ici. Et là, je vais faire CTRL-P en faisant, vous voyez, Set Parent to Objet. Automatiquement, vous voyez, on a un tout petit pointillé qui apparaît. Si je clique sur mon enfant, j'appuie sur G, je vais pouvoir déplacer celui-ci. C'est un peu, si vous voulez, comme un, un maître avec son chien, avec sa laisse, c'est-à-dire qu'on ben, laisse le chien se promener tranquille, mais il est lié quand même, il est lié aux parents. Si par contre, je déplace le parent, ben, vous allez voir qu'il va se passer complètement. Vous voyez Il se passe quelque chose de différent. Alors, regardons un petit peu comment c'est fait celui-ci. Donc là, c'est mon cube. Il est où cet animal Là, c'est mon cube. D'accord, il est ici, vous voyez et dedans, en fin de compte, ça c'est le parent et ça c'est l'enfant. Regardez, je clique dessus, on voit bien que c'est l'enfant. Pour faire en sorte de délier celui-ci, il suffit tout simplement de sélectionner l'enfant puis le parent. Et là vous faites Alt P et vous faites Clear Parent. Alors vous avez deux solutions. Soit Clear Parent, ça va délier le lien entre l'enfant et le parent. Soit vous faites Clear and Keep Transformation, il va délier le lien enfant-parent, mais en gardant si vous voulez l'endroit où ils sont placés. Regardez, si je fais Clear Parent, automatiquement il va revenir. À, son, à sa place, parce qu'en fin de compte, j'ai déplacé l'enfant. En gros, si vous voulez, quand vous commencez à faire des manipulations parent-enfant, mais je referai une vidéo là-dessus, ne hein, vous inquiétez pas, mais ça va simplement soit garder le mouvement en compte, ou pas. C'est pour ça que quand ici vous faites Alt-P, vous avez deux façons de faire. Soit effacer le parent, c'est-à-dire le lien parent-enfant, soit effacer le lien parent-enfant en gardant la transformation. Bon, je vous en dirai pas plus, parce que ce n'était pas le but de cette vidéo. Donc si on continue ici, on a quoi On a ici... Objet et children, ben je viens de vous expliquer à l'instant. Hein, vous voyez, montrer les enfants ou pas. C'est-à-dire que là, si je fais ça, ben là, il y en a plus, ce qui est normal. Je vais le refaire pour que vous puissiez bien comprendre. J'espère que je vous ai pas embrouillé. Voilà. Ici, on voit bien qu'ici on a l'enfant, d'accord. Et si je décoche ici au niveau de mon filtre Objet et children, normalement, l'enfant n'apparaît plus. Alors pourquoi il apparaît cet animal Tiens, euh... c'est marrant ça. Ici, vous avez donc Objet Children. Donc là, j'ai fait en sorte de refaire le, le lien. Et qu'est-ce qui se passe En fait, comme vous allez voir, c'est assez subtil. Hein. Si on clique ici, vous allez voir, regardez bien, que d'un coup, votre lien se retrouve au même niveau. C'est-à-dire qu'en fait, il ne prend pas en compte euh, l'enfant. Il dit OK, moi c'est un enfant, mais je le prends comme un objet normal. Par contre, si je clique ici, vous allez voir que celui-ci se décale. J'ai fait exprès de bien zoomer pour que vous bien voir. Vous voyez, c'est là la différence. Bah, le mesh, vous l'avez compris, ça va tout simplement supprimer les mèches, désactiver les mèches, les lumières, les caméras ou les empty. ok Ensuite, ici, vous allez pouvoir voir tout ce qui se trouve dans votre scène. Ici, vous aurez tout ce qui est visible, c'est-à-dire ce qui n'est pas caché, tout simplement, ce qui est sélectionné, ou tout simplement ce qui est actif. Voilà, donc après à vous de voir ce que vous voulez faire ensemble. Là, vous allez faire votre recherche, pas de problème. Et ici, vous avez tout simplement, hop, pardon, si je clique ici, vous allez créer une nouvelle collection. Vous voyez, collection 11. Donc ici, je vais pouvoir la supprimer en faisant Delete. Voilà, bah je pense que je ne vous en dirai pas plus sur donc, le hotliner, je pense avoir été euh, pas exhaustif parce que ça serait bien trop complexe pour expliquer vraiment tout ce qu'on peut faire avec, mais croyez-moi déjà ce que je vous ai expliqué, normalement vous aurez beaucoup moins de problèmes et bien comprendre ce qu'il en est. Peut-être c'est une dernière chose que j'ai complètement oublié, pour renommer effectivement un objet ou une collection, vous double-cliquez dessus, ou par exemple pour un mèche, vous double-cliquez dessus, tout simplement. C'était donc la chaîne de Savoir pour tous réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me poser des questions, je me ferai un plaisir de vous répondre. A chaque fois que quelqu'un pose une question, je suis en sorte de lui répondre, de l'aider, sous réserve bien évidemment que cette question euh, bah, corresponde aux vidéos que j'ai déjà faites. Parce que si c'est des vidéos plus complexes, en général bah, je dis désolé <laughs> ou alors je lui réponds en message privé. Voilà, bah, écoutez, donc je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye